C'est bien joué. C'est bien joué. C'est vraiment comme de la vitre, tu sais. Alors là, on a un problème majeur avec le forage l'hiver, c'est que quand on ouvre la tuyauterie, on s'aperçoit que c'est tout gelé. Tu vois, il sort des morceaux de glaçons. Et donc, si la canalisation est gelée, c'était là-dedans. Alors, regarde, tu vois, hop, on en sort. Et ben, quand c'est gelé comme ça, la pompe de forage force, parce qu'elle, à la profondeur où elle est, il n'y a pas de gel. Hein, parce que par exemple, si tu es à 20 mètres ou à 40 mètres, ben, c'est pas gelé sous terre. Mais par contre, les canalisations en surface, eh bien, elles ont, surtout les zones à l'ombre, eh ben, elles ont automatiquement un problème de gel. Et du coup, ça bloque tout et ça fait forcer. Et puis aussi, des fois, tu as des morceaux. Comme là, par exemple, aujourd'hui, je vais couper cette partie. Parce que là, il s'est fendu. Du coup, ça pisse. Donc, ça arrive avec l'usure, soleil, hiver. Donc là, je vais couper en amont et je vais le refaire propre. Là, je viens de le couper. Et là, si on regarde, si je fais tomber, eh ben, tu vois, c'est tout à fait le genre de problème qu'on a quand tu as un forage. Regarde-moi ça. La nature, hein, quand même. Et ça empêche correctement l'eau de passer. Ça bloque et ça met en sécurité tout le système. Ça met en sécurité la pompe et surtout en sécurité ou ton convertisseur ou ce que tu as, un groupe électrogène, ce dont tu utilises. Moi j'utilise un convertisseur pur sinus via un hybride et il se met en sécurité, enfin, ça force. Donc tu te dis merde, c'est bloqué, mais en fait c'est pas la pompe, c'est la glace. Mais il n'est pas complètement rond du coup.
hein, à peu près, c'est ça qui rentre dans l'autre, dans celui-là. Ça, c'est pas mal. Voilà. Tu vois, la profondeur, c'est un petit peu plus. Et ça, c'est le système qui scelle, en fait, qui serre. Quand tu serres ça fixe ça le vraiment ça rentre un petit peu dans la matière du plastique pour le sceller complètement. Là, je travaillais qu'une main, donc soyez magnanime. J'ai pas pris de pied, ouais, c'est ma faute. Et voilà ce que ça donne. Donc à serrer avec une pince, je vais aller chercher une pince Velcro histoire de le serrer un peu mieux. Et comme ça, c'est nickel. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner, hein, à mettre un petit pouce si vous êtes tombé par hasard sur la chaîne. Rejoignez-nous, on restera en contact. Et à très vite dans les nouvelles vidéos.